La ville accorde une grande importance au développement durable dans l'attribution de ses marchés publics. L'entreprise Biodera a remporté le marché avec une solution très innovante. Mon grand-père était maraîcher dans le sud-ouest. Il m'a expliqué qu'il favorisait l'installation de nids couleuvres dans des tas de branchages, de pierres ou de broussailles. Et grâce à cela, il avait beaucoup moins de dégâts causés par les rongeurs. Et ça m'a donné une idée. J'ai fondé l'entreprise Bioderat qui élève les couleuvres pour la dératisation. Donc nous introduisons les couleuvres dans les canalisations. Elles font leur travail durant 2-3 heures, c'est-à-dire qu'elles mangent ou font fuir les rats. Et ensuite, nous les rappelons à l'aide d'une hormone que nous plaçons à la sortie de canalisation. Donc pour effectuer ce travail, nous utilisons des couleuvres adolescentes qui sont beaucoup plus voraces. Et une fois arrivées à l'âge adulte, nous les relâchons dans la nature. Je me suis donc proposé volontaire pour assister à une formation proposée par le prestataire. J'ai été bluffé par l'efficacité des hormones. Les serpents sont quasiment tous revenus.